Je me suis sûrement assis sur l'un de ces fauteuils. C'était le samedi soir, en fait. Je ne pense pas avoir été dans cette salle un autre jour que le samedi soir, alors que pourtant, il devait y avoir des séances, parfois en semaine aussi. Vox. Alors, Vox, c'était marqué au fronton, en lettres, je sais pas, là, je peux... lettres rouges, peut-être, sur fond jaune, quelque chose comme ça. Quelques néons. Et puis, alors, les affiches du film du jour, ou de la soirée. Est-ce qu'il y avait des choses fixes avec des images de cinéma? Je ne sais plus. Ce qui est étrange d'ailleurs, c'est de se dire qu'au fond, une salle toute petite, un peu minable, c'est quand même cette salle du Vox qui revient dans mes rêves parfois, mes rêves de la nuit. Alors que depuis l'enfance, l'adolescence, j'ai vu des salles de cinéma dans le monde entier. C'est quand même celle-ci qui revient. Il y a eu un truc très important pour moi, c'est qu'il y a eu deux instituteurs, ça ne devait pas être très courant à l'époque, qui pratiquaient l'enseignement freiné, qui consistait principalement à introduire l'imprimerie à l'école. On faisait tout, c'est-à-dire qu'il y avait des lettres en plomb qu'on choisissait comme ça, dans la casse, ça s'appelait, l'endroit où on mettait les lettres, et on les mettait dans un petit composteur, je crois que c'est le mot, pour composer une ligne de texte. Et le texte, c'était quelque chose qu'on avait écrit collectivement, la rédaction, quoi. Raconter des souvenirs de vacances, etc. Alors, il y a ceux qui faisaient les textes, après ils étaient mis au tableau et recorrigés par toute la classe, avec l'instit, puis il y a ceux qui faisaient des dessins aussi, je me souviens. On imprimait et on allait vendre le petit journal dans les rues de Jarnac au profit de la coopérative scolaire. Pour le voyage de fin d'année au bord de la mer, sur la côte atlantique. Je suis né en 40. On m'a raconté beaucoup de choses. Mes parents m'ont raconté beaucoup de choses de cette période. Je les ai beaucoup interrogé par la suite. Il est possible que j'ai le souvenir, est-ce un vrai souvenir, je ne sais pas, de soldats allemands dans leur guérite devant un château qui avait été réquisitionné par la Wehrmacht. On y passera d'ailleurs tout à l'heure, c'est le... Bon. Alors moi, dans mon landau, poussé par ma mère, passant devant les soldats allemands montant la garde. Je l'ai tellement entendu, cette histoire, qu'évidemment, je me dis, oui, je me souviens très bien, j'étais dans mon landau, alors j'en plaisante avec ma mère ou avec mes enfants. Je dis, oui, absolument. Et quand je passais, je levais le poing devant la guérite des soldats nazis. Bon, évidemment que c'est pas vrai. Mais j'ai beaucoup raconté l'histoire de la guerre à mes enfants. Inventé. Et ils savaient que j'inventais, et ils en demandaient toujours plus. La maison de mon enfance, exactement au milieu, entre le cinéma et l'école, et les terrains d'aventure du jeudi après-midi. Voilà, c'est là. Voilà, elle filme là. J'ai ouvert le portail.
Il est dans un état épouvantable, ce pauvre Vox. C'est les gravats qui sont tombés. On les aperçoit par la fenêtre. Il y a une vitre, une vitrine. Il y a encore des fauteuils. Et le toit et le plafond est complètement défoncé. Voilà. Mon petit, mon enfant, mon regard sans limite, mon image éperdue d'avoir tant à gagner, sois heureux d'être toi, d'être moi, d'être nous. Le naufrage annoncé n'est pas dans ton sillage, l'accident du soleil n'est pas fait pour ton ciel et la mort d'une vague ne peut rien contre toi. La peur n'est pas ton origine. Alors voilà, ça c'est un poème de mon père Pierre qui a paru en 49 dans un recueil intitulé « Le poète majeur ». Et donc il est question de naufrage, de vague, d'accident. Et en fait, c'était né, ce poème, un jour où je me baignais avec lui sur une plage de l'Atlantique, où une vague énorme m'avait renversé et il avait cru un instant que j'étais noyé. Voilà. Et le poème est venu. Comme un poème, comme un exorcisme, en fait. Très vite, j'ai voulu faire comme mon papa. En plus, le papa en question, qui m'avait édité un recueil de poèmes quand j'étais enfant. Alors ça, formidable. C'était un tout petit recueil qu'il avait intitulé, mon père, « Papa, j'ai un poème ». Donc c'était des poèmes que j'avais non pas écrits, parce que je ne savais pas écrire encore à 4-5 ans. Il a paru plus tard, mais à 4-5 ans, je les écrivais. Non, je ne les écrivais pas, je lui dictais. D'où la formule « Papa, j'ai un poème ». Alors mon père prenait son carnet et notait scrupuleusement les vers de son fils. Voilà. Ça, c'est vraiment mes vrais débuts. Et en plus, avec mes vrais débuts édités et diffusés, probablement un tout petit nombre d'exemplaires, mais diffusés. Voilà. Ces poèmes... De quoi parlait-il ? Il y en a un dont je me souviens qui disait « Mon papa me pique comme un hérisson, il a des épines piquées dans la peau, ça lui fait bien mal. » Voilà, je me souviens... C'est le seul poème que j'ai écrit dans ma vie que je peux dire par cœur. C'est peut-être le meilleur. Mon papa me pique comme un hérisson. Ça pourrait se chanter. Hein ? Dans cette enquête que j'ai menée pour ce livre, Le jeune homme en colère, il était bien évident qu'à un moment ou un autre, la figure de mon père apparaîtrait. Quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas exactement à quel moment il apparaîtrait, mais je savais qu'il apparaîtrait. Puisque la photo a été prise dans un village voisin, dans le village de Claude Roy, ami d'adolescence de mon père, et donc fatalement, il allait apparaître. Peut-être a-t-il pris plus d'importance que je ne l'avais imaginé avant. C'était aussi probablement une façon détournée de parler de mon père, en prenant des voix, oui, effectivement, assez peu frontales, mais j'aime bien, moi, aller voir parler... lisière des choses. Mes grands-parents habitaient tout à côté. Nous allions un peu plus loin, là, dans la belle prairie dite des Épiciers. J'ignore pourquoi elle s'appelait comme ça. Et on passait donc devant ce château tout à fait style Belle au bois dormant, hein, avec les tourelles. Bon.
c'était effectivement pour nous quelque chose d'assez qui entrait de plein pied dans les contes de l'enfance. On était encore dans l'enfance, nous, la préadolescence. C'était bon, donc quelque chose d'un peu magique, tout simplement. Et puis un jour, je me suis dit, ben, ce château, un jour, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ce château, il y a quelque chose à faire. J'ai envie d'écrire quelque chose sur ce château et sur les gens qui y ont vécu, pendant l'occupation précisément. Et c'est l'objet du livre que je vais commencer très très prochainement, pour lequel j'ai beaucoup de notes, beaucoup de documentation d'ores et déjà. L'histoire d'un couple de négociants en cognac, qui, comme la plupart des négociants en cognac de cette époque, entre 40 et 44, ont gagné très très bien leur vie en donnant à boire au gosier de la Wehrmacht, on pourrait dire ça comme ça. Donc, qui ont collaboré sur un plan économique, donc ils vendaient leur cognac plus ou moins légalement, plus ou moins au marché noir, aux Allemands, et puis collaboration tout court. C'est même peut-être sur un plan idéologique. Enfin, c'est ça l'objet de ce prochain livre, auquel finalement je m'en rends compte maintenant, auquel je pensais depuis longtemps, de façon très floue. Et puis, il y a quelques mois, les choses se sont un peu resserrées comme ça, et je sais à peu près, où je vais. Sans plan, toujours sans plan. Il y a 15 jours, je disais à ma mère, quand vous êtes venu me voir il y a 3 semaines, Monsieur Ivaldi, c'est le nom du couple. Alors, est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Essaye de te souvenir. Je t'ai dit déjà la semaine dernière au téléphone, essaye de te remémorer les choses. Elle me dit, mais non, mais je ne me souviens plus de rien. Et puis, les petits détails qu'elle m'a donnés, etc. Et puis, le fait de ne pas vouloir véritablement dire, à quoi bon tout ça ? Qu'est-ce que ces gens t'ont fait ? Je lui dis, mais rien, maman. Ils ne m'ont rien fait. C'est simplement d'en savoir plus, un peu plus. En savoir un peu plus, c'est ça l'histoire. C'est comme ça qu'on raconte l'histoire, cette histoire si douloureuse de cette époque. Et donc, l'attitude de ma propre mère, je le sais d'ores et déjà, entrera dans le livre. Elle sera présente. On ne jouait pas à la guerre. Je crois qu'on se cachait. Il y avait effectivement, il y avait un espace considérable. On pouvait aller très très loin. Par derrière, il y a le village de Gondeville, là où vivait à ce moment-là, d'ailleurs, ce que j'ignorais, le jeune homme, celui que j'ai appelé le jeune homme en colère. Il était derrière ce pont d'autoroute. Il y a vraiment un très très grand espace. Je ne sais pas exactement les jeux qu'on pratiquait, à part le fait de se cacher. J'avais 21 ans, j'étais à Paris, je venais de quitter l'armée, ça s'appelle déserter, c'est un acte très grave qui peut vous coûter cher. En cas de guerre, c'est 12 balles dans la peau, la désertion. On a ça dans des films, dans des livres, dans toute une... Il se trouve qu'officiellement, la guerre d'Algérie n'était pas une guerre. Donc j'ai déserté pour ne pas faire cette non-guerre, et donc c'était en temps de paix. J'ai quand même été condamné à 10 ans de prison, mais je n'étais plus là. J'avais une frontière entre les juges militaires de Bordeaux et moi. Voilà. Donc ce livre raconte les 15 jours où je suis à Paris dans l'attente de mon passage d'une frontière, quitter mon pays et me réfugier ailleurs. Et pendant ces 15 jours, ou bien je restais cloîtré dans ma chambre de bonne, où on m'avait trouvé une planque, le réseau auquel j'avais fini par appartenir, ou bien quelqu'un m'avait dit « tu peux aller dans les salles de cinéma, il n'y a pas grand risque ». Évidemment, j'ai choisi cette solution, et véritablement, ce n'est qu'après coup, évidemment, que j'en ai pris conscience, ce sont ces 15 jours qui m'ont fait ce que je suis, qui m'ont fait cinéphile.
qui ont mis le cinéma dans ma vie. J'arrête. Je rentre chez moi.